C'est une aide estimée à plus de 1,3 milliard de francs CFA que le Programme des Nations Unies pour le Développement ou le PNUD et le Japon ont accordé au Gabon. D'après Paul-Marie Gondou, le ministre gabonais de la Justice, garde des Sceaux, lors de sa prise de parole le 13 septembre dernier à l'occasion de l'inauguration du tribunal de première instance de la commune d'Ntoum. Le PNUD et le Japon viennent soutenir l'ambition des autorités de la transition du Gabon à moderniser le système judiciaire. Le ministre de la Justice gabonaise a précisé que cette dotation va financer les réformes du système judiciaire, notamment la digitalisation des actes judiciaires. Cette aide financière servira également à la formation continue à l'École nationale de la magistrature ainsi qu'à la réalisation de certains travaux d'infrastructure. Pour le membre du gouvernement gabonais, il revient dès lors de faire bon usage des moyens et infrastructures mis à la disposition, tant en budget de l'État que par les aides reçues des amis du Gabon.